amis internautes, nous, frères et sœurs, nous, habituellement. Et ça qui t'a visité nous également pour la première fois, qui souligne, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Amen. Et maintenant, comme d'habitude, c'est toujours un privilège pour Dieu à nous, pour nous unir ensemble, pour nous partager une portion de la Bible, partager ensemble et la parole de Dieu suivant lumière Saint-Esprit. Et vraiment, nous sommes dans un mois du trésor. Et écoutez, nous avons joué un thème ça, et qui est toujours en cours, dans Deutéronome chapitre 28, verset 12. Écoutez que la parole de Dieu dit, l'Éternel trouvera son bon trésor, qui c'est le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Et tu n'as point de point. Pour ne pas gagner pour douer. C'est sombre. Tellement bon Dieu va le bénir. Bénir pays. Mais on va bagaille pour faire. Et si tu obéis. Et dans plein ce maintenant, bon Dieu, voyons le thème pour nous. Et pendant semaine, de visitation pendant et pour votre semaine de visitation que nous trouvons dans l'évangile selon docteur Luc chapitre 1er verset 78 et 79 côté parole là dit nous pour éclairer et grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu à vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Mes frères et sœurs, nous avons regardé, nous avons deux thèmes semblables. Et yo matché, yo accordé. Et si nan pays nou, kote nan passé, genou, kote nan tande, nou wè Haïti, c'est pas de accord qui gen. Haïti presque tourne accord, tellement gen accord. Et nou wè nèg yo pa ka entendre yo pa ka blende yo pour venir accorder yon pour démarrer pays a. Mais nous-mêmes, bon Dieu voyait deux thèmes pour nous qui pour permettre nous et connaître bonheur nous pas ici bas et pour nous connaître les que nous pas transgresser loi divine comment que bon Dieu capable servir avec nous pour éclairer nous pour ba nous intelligence pour nous mieux vivre notre vie chrétienne. Et pendant semaine visitation nous songeons Joseph, pendant ses vitesses, il était sous la terre de Gozen. Le Joseph va mourir. Pendant que Joseph a fait testament, il a gardé le peuple. Il a passé en pile. Il a subi en pile. Et pour l'arrivée côté lié à Joseph, son équipe est venue quitter en pointe en Égypte, qui a gagné, qui fait en pile bagaille. Suivant Jean Bon Dieu servi avec lui. Mais là, Joseph va mourir. Il dit, peuple, on va mourir. Non, c'est le bagage, vous ferez monter mes eaux loin d'ici. C'est que vous allez observer. Mais le peuple dit, peuple, on va être fort. Il va dire, mais Dieu vous visitera. Et vraiment, peuple, bon Dieu, pas manquer, prêter. Peuple la présence li. Et nous même matin k'ap savourer des thèmes sa yo k'ap marcher k'ap essayer rentrer prendre et analyser pour nous joindre sa bon Dieu serré pour nous. Eh bien si vraiment nous obéissons,
si vraiment nous rete dans l'inou hier, nous pas manqué, pas joindre de bagaille que bon Dieu c'est dans le grenier de l'Éternel. Et bon Dieu pas manqué, pas visiter nous, pour te poser. Mon seul bagaille, nous avons gens pour nous comporter nous. Nous avons gens pour nous y est. Nous avons gens pour nous servir, bon Dieu. Et, comme on dit, porte ciel là l'ouvrir pour lumière à venir éclairer tout le monde qui a vivre dans ce noir. Ça fait longtemps, ça fait me sentir. Et parfois, nous avons un petit point d'ombre, d'obscurité dans la vie. Nous, même bon Dieu, voulait éclairer nous davantage. Et le nous regardons le livre de Dr. Luc là, son livre qui portait l'histoire de Jésus depuis le Jésus qui est pour venir sur la terre, passé par ministère et tout le monde qui a marché avec lui jusqu'à son arrestation qui pourrait le conduire à la mort de Jésus. Eh bien, c'est lumière ça. Et Jésus même, il était déclaré à Bouchli, c'est lui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière et la vie. Et c'est ça que fait sentir sous ta ouais, ou à marcher avec Jésus, ou à marcher avec maître là, pour partager nos petites paroles, pour partager nos petites paraboles, pour pas qu'on ait on un blackout. Et on pas croire que nous-mêmes dans Light and Peace Ministry ou quantité message qui gagnait ou quantité serviteur que bon Dieu servi avec lui pour nous partager nos coups de flash pour ta quitter ou tomber dans blackout pour ta quitter même pour juste si ta lever compte ou nous pas croire ça mais madame a regardé maintenant. Et m'attendez avec attention, on connaît le matin surtout, moi suivre en pile dans intervention, en pile servante, serviteur sur les noms. T'as porté attention, t'as baille signification, tu vas Jean bon Dieu montrer l'importance que trésor. Et semaine dernière, pendant que nous t'avons passé, à pied joint sur importance pour qui ça le monde y a toute haine y a toute gang y a tout intérêt ça yo sur question de trésor et nous mêmes si nous t'a pour ça le monde a fait détruire monde pour prendre trésor la caillou les grandes puissances et si c'était avec fou ça vraiment nous t'a travail nous t'a mettez nous en position que les bon Dieu visiter nous. Je dis à un paquet de péripéties, les dirigeants n'ont pas besoin de faire plus l'effort pour tactique que nous gagnons, pour nous chercher trésor, pour nous chercher bien la terre, pour nous aller devant le juge, pour nous regarder. Nous avons tout tactique, tout avocat. Si nous avons même fou que ça, pour nous aller derrière ça, et Dieu, pourquoi ouais, bon Dieu, quitter pour nous dans le ciel ça. Pour ce, j'ai l'impression, l'évangile là, s'il pas dit ça, lié à. Il y a des fois même esprit de partage nous va bien pour nous partager une petite portion de la Bible avec personne. Mais, et puisque bon Dieu, il y a des gens qui sont endormis, et ils connaissent par l'entremise de la puissance de l'évangile, l'un qui a éclairé l'autre, l'un qui a fait faute à l'autre, l'un qui a partagé à l'autre, eh bien, ils voyaient, réunion lumière l'évangile là, de manière à ce que, ou une, pour nous, yon ka pote, par exemple, yon ka chauffe l'autre, yon ka éclaire, yon ka parle à l'autre, eh bien, nous pas ka égo, nous pas ka égoïste. Ça ka éclate, traverser en de yon l'autre là, li pas ka pa témoigner, li pas ka pa dire, li pas ka pa partager avec l'autre monde. Et moi-même, dans une profonde réflexion que nous avons fait, nous avons dit ça sur les là, et puis, comme ça, quand dit, nous fait l'histoire. Nous te faisons un petit coup d'histoire. Même à tourner sous même bagaille importance, sous même fougue qui gagne sous affaire trésor ça. Et nous voyons un pays nous a souffert aujourd'hui.
Haïti, il y a un peu d'artistes, vos artistes qui chantaient, Haïti, toi riche pour le pauvre. Et je dis à la souffrir. Et là, nous garder pour trésor, pour richesse que nous avons dans le sous-sol là, quand nous. Si, si nous pas faire bien attention, si nous pas veiller et prier, bien, Haïti qui arrive dans une position pour jamais, il a chassé Genessa, qui a parti, qui a pris une humiliation, qui prend le monde sous bateau. Pendant ce temps, c'est Kounia Genenèg qui a cherché position pour vivre à l'aise. Mais il y a tout le monde l'enfer. Au peuple là, mais il y a ce paradis lié pour vous. Et si nous pas fait bien attention, si nous pas veiller prier, Haïti qui arrive dans le siècle, nous prenons le même genre avec même avec Taïnos, même avec Indien, qui t'a baigné, qui t'a marché sous trésor, sous l'or. Mais bon côté. Qui t'est arrivé, eh bien, t'es gagné des grandes puissances qui t'est décimé, peuple ça. Il y a un paquet égaré qui couchait sous l'eau, qui a mis en couillot sous trésor. Eh bien, je vous dis, ça fait que nous parler de il était une fois les Taïnos, il était une fois les Indiens. Mais pour nous prier, veiller, pour ne pas dire il était une fois Haïti. Tellement nèg mettait griffio dehors pour accaparer trésor sur la terre. Et c'est ça que fait la Bible parlait quelque part, royaume ciel là, pour Jean lié, ce sont les violents qui s'en emparent. Et nous ne va parler de violence côté je dis à mon a tué mon pour ça ou bien c'est pas violence mais c'est pour nous violents, pour nous ouvrir nous, pour nous vigilants. On a taparé des trésors pour nous jouer lumière que bon Dieu cet esprit voyez pour nous capable ouvrir yeux nous pour nous écouter nous aller. On a joui la bénédiction que bon Dieu prête pour nous faire porte ciel là pour nous jouir. C'était une petite parenthèse, nous t'a fait. Mais Jean-Paul l'a dit, bon Dieu, a voyé la pluie, a voyé toutes sortes de bénédictions, a ouvert pour celle-là, nous pas bien pour nous louer le monde. C'est que richesse que bon Dieu a banoué, pas gagné, monde, quel que soit, ouais, il a découragé, nous tué, crasé, brisé. Pour mettre le pays en Italie là. Et nous faire aller ça. Parce que nous-mêmes, nous avons couru des trésors, la manne cachée, qui dans le ciel, mais jusqu'à présent, nous encore des citoyens. Nous, deux pieds, nous encore sur terre, nous pouvons enlever. Nous-mêmes, qui sommes des citoyens qui ont des revendications à faire valoir. Eh bien, nous disons ça. Et ou pas besoin d'occuper tout le monde, pas tuer le monde, verser sang, mettre des âmes dans le monde, bailler mon pression, faire le monde peur. C'est bon Dieu qui dit à Bouchli, dans Esaïe, à tout le monde qui a fait deuil sans couler dans le pays. Eh bien, matin, on a dit, ou pas besoin de peur. Sauve à fait là, c'est la ouze qui a taille bandat tout autant que soleil pour qu'on lève. Dans Esaïe chapitre 49, verset 26, l'Éternel parvoit un message. Parce qu'Israël était dans une situation comme ça. Difficile à cause des obéissances. Peut-être, Jean-Paul a dit à qui mon peuple s'humilie et prie. Peut-être nous devons pour qu'on vive dans un niveau ça.
au lieu de chercher face de l'Éternel, nous remettre le pays à des nègres qui ont tracé vers, qui ont dit c'est dans toi, c'est si, et l'autre qui a dit pays à c'est maman Notre-Dame, perpétuel secours, et moi pays à vin plus sale, dans plus misère. Mais à tout nègre qui a vivre, qui a fait sans verser dans le pays ça, qui a dit dans Esaïe chapitre 49, verset 26, l'Éternel dit à bouche libre, c'est pas une nouvelle livre, il utilise pour nos personnels. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivront de leur sang, comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Les puissants de Jacob, de génération en génération, jusqu'à nous-mêmes. Et pour nous, on est un thème principal, nous, chers frères et sœurs. Et Nabiou, allumez en vous la flamme de l'esprit pour pratiquer l'évangile de Jésus, la maîtrise de soi. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un moment où nous passons des ténèbres à la merveilleuse lumière. Côté où nous joignons et pour nous joindre visitation ça, où nous jouons la semaine pendant toute existence nous la visitation. Faut que nous ayons maîtrise de soi. Faut que nous mettions de côté la convoitise de la chair. Faut nous gagnons et sur langue nous, faut que nous pas honte de l'évangile, la puissance de l'évangile. Faut que nous mettions de côté, faut que nous mettions accent sur les finances, autrement dit, le trésor. Donc, nous débattons, thème ça, pendant toute semaine, là, afin qu'il fasse éclater un réveil spirituel en chacun de nous. Avant Anissa Akaba, bon Dieu voyait des thématiques pour nous, les servir avec des serviteurs. Pas au monde qui prend la parole sur les arts pour à la fin de trentaine et quelques dizaines de minutes de parler. Pour nous pas sortir au moins avec une phrase qui demande nous pour nous réfléchir sur le niveau, sur la promotion que nous prenons dans l'évangile depuis l'heure que nous acceptons Jésus jusqu'à ce que nous arrivions dans le thème nous, dans l'année ça. Et nous disons, puisse Dieu nous amener à vivre conformément à ses principes, conformément à ses lois, conformément à ses ordonnances, mes bien-aimés. Nous-mêmes qui allons prier ça. Et si vous recevez une telle dévotion, c'est parce que Dieu a un plan pour vous. Tout au cours de semaine ça, semaine de visitation ça. Et nous capables de dire, et à partir de lumière, l'évangile, que bon Dieu vous verrez, chaque coup de flash, pour joindre, ou bien pour répéter, je le reçois. Et vos prières seront exaucées dans le nom de Jésus. Et Nabdo, mettez foi nous ensemble. Amen. Croyez en parole, mon Dieu, et vous verrez la délivrance que le Seigneur va vous accorder dans les jours qui viennent. Le Seigneur viendra à notre secours. Mais il faut que nous fassions toute bagaille avec obéissance. Et nous joignons dans le livre de Théonome. Côté que bon Dieu dit nous, si nous obéissons,
son chapitre deuxième constitution, ça, que bon Dieu mettait accent sur l'obéissance. N'a besoin de toute bénédiction, la pluie de la dernière saison, la manne cachée. Si tu obéis, la pauvre potielle là. Mais si tu obéis, et si lui vient fortifier, lui vient voyer, seconder thème avec ça que nous joignons dans l'évangile selon Luc. C'est parce que tout simplement, bon Dieu, ouais, manquement nous yo. Ceux qui souffrent, l'Éternel est près de ceux qui ont l'esprit, le cœur, l'esprit brisé. Et l'Éternel veut sauver ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Mais nous t'attendez pendant. Parce que quand tu as fait râler sur l'esprit de discernement que nous devons gagner, pendant que l'étape dit, semaine visitation, ça, nous devons débarrasser nous de une série de déchets, nous devons retirer en nous une série de bagages qui ne pas plaire avec la volonté de Dieu. Et nous devons garder, mes bien-aimés, l'apôtre Pierre, côté la parole de Dieu, dit dans 2 Pierre 1, chapitre 1er, le verset 3 à 11, côté que nous-mêmes qui voulons passer des ténèbres à la merveilleuse lumière, nous-mêmes qui devons recevoir lumière, l'évangile, la caille nous, qui devons recevoir visite. C'est un comme d'adou, c'est les fiancés pour aller recevoir un monde ou pour aller recevoir une visite et là vous mettez l'ordre dans la caille ou garder comment tout tout bail qui pas bien parce que pour l'homme, si pour l'homme nous fait tout debout ça pour nous recevoir un monde, pas besoin d'eau pour le Saint-Esprit. Et dans 2 Pierre chapitre 1er, les versets 3 à 11, c'est vite à dire comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui qui ces choses, c'est son point, mais son point est aveugle. Il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation à votre élection, car en laissant cela, vous ne boucherez jamais. C'est ainsi, en effet, qu'il entrait dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Donc, pour nous recevoir à travers thématique, à travers thème ça qui vient seconder thème du trésor, et j'aime t'a dit nous de nous t'a comparé richesse que nous gagnons, et vraiment nous sommes sur une terre qui a reçu une semence en elle, mais la terre a besoin de l'eau et du soleil grâce au phénomène de photosynthèse pour qu'elle produise. Mais c'est ainsi que nous-mêmes qui c'est chrétien,
nous-mêmes, beaucoup d'autant plus que important pour nous-mêmes, pour nous capables de recevoir visitation, pour nous produire, pour nous élever dans la dimension où bon Dieu t'a voulu que nous y ait. Nous avons en nous la semence de la piété. Nous avons en nous la semence de la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Jean-Paul a dit, l'Esprit nous a donné tous y contribuent à la vie. Et si bon Dieu t'a mis la gueule comme ça pour nous, c'est-à-dire que nous gagnons déjà. Mais nous besoin soleil là, lumière l'évangile là, puissance de l'évangile là, pour éclairer nous, pour chauffer nous. Parce que nous avons la semence de la miséricorde, la semence de la patience, de la vertu, la semence de la tempérance, la semence de l'amour fraternel, la semence de loyauté, chers amis. Dieu veut que nous ayons, que nous soyons heureux. Tous ces trésors, la semence de la joie est là. Ce matin, Jean, semaine de visitation, annoncez-nous, nous besoin des rayons d'amour. Allumez en vous la flamme de l'esprit pour être sensible à l'égard de l'autre. Pour qu'à chauffer l'autre là, pour qu'à traverser dans le roi, qu'à électrifier, nous pas qu'à nous même assembler pour nous dans des accords petits, même père, de même famille. Nous avons même vision, même espérance. Et tout le monde qui vive dans l'enfer noir, parole l'a demandé pour nous plus sympathiques, mais pour être sages. Pour être tolérant, miséricordieux, compatissant. Certaines fois, il nous manque de patience dans nos relations avec nos semblables, avec les autres. Il nous manque bien souvent cette vision. Matin, mon Dieu voulait ramifier nous. Il voulait nous coller coude pour nous travailler, pour nous avancer. Livrez à nous des bonnes habitudes que nous t'ai perdu, les vertus moraux. Je dis à qui fait nous perdre la face de Dieu, la grâce de Dieu, la parole de Dieu. Parole a dit, par sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Que Zora là, mon Dieu voulait prêter nos présences lui. Hein, mon seul bagage. Il voulait que nous obéissions. Soyez disciplinés. Aujourd'hui, regardez et la marche à suivre de Jésus. La vie est belle. Et il voulait que le plus belle toujours. Matin, les nous prenons des thèmes sérieux. Nous coller ensemble. Matin, nous voulons adjoindre yo dans la vie nous pour que la vie capable plus belle toujours. Puisse Dieu éliminer en vous tout déchet, tout ça que, qui n'est pas de nature. Je nous prie qui pour mettre nous, qui pour faire nous timides, pour nous pas joindre la gloire de Dieu. Mettez-vous de côté. C'est comme ça qu'on a chassé tout sentiment d'échec, tout esprit de pauvreté. Parce que l'esprit de Dieu nous donne déjà des choses merveilleuses. Nous promettons nous la pauvre potentielle là, cette bénédiction, mon nouvelle année qui va venir. Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu nous donne encore. Et il est prêt à communiquer nous la piété, mes bien-aimés, grâce à la connaissance. Amen. Peut-être, bien nous avons dit, des photosynthèses, les plantes, ils produisent. Mais à plus forte raison, nous autres, la parole, l'Esprit de Dieu nous suffisent pour nous permettre de produire. Maintenant, et Dieu capable à même pour le voyer à chaque instant pour nous, dans le temps, ses rayons, sa parole. Qu'il allume en nous son esprit de gloire, son nom. Bon Dieu, relève-nous à la gloire.
Il fait nous d'excellentes promesses. Et nous serons toujours la tête et non la queue. Mais il faut que nous participions à sa nature, que nous avons sa ressemblance, nos conditions. Et pour finir, maintenant, je voulais conclure pour me dire nous, bon Dieu, voyez, il te dit nous déjà, nous c'est trésor. Bon Dieu, nous avons pris, nous avons importance dans ce bon Dieu. Tu es honoré. Et parole a dit dans Jérémie chapitre 31, verset 3, et que Dieu t'aime. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma beauté. Dieu nous conserve des choses extraordinaires. Mon seul bagage, soyez patient dans l'affliction. Comptez sur Dieu qui nous accompagne dans les épreuves. Personne n'a jamais demandé d'être éprouvé, mes chers frères et sœurs. Mais les épreuves, parfois, elles arrivent tout bonnement. Bien souvent, bon Dieu a essayé de passer nous au creuset. Mais tout simplement parce qu'il veut nous donner des promotions, de l'onction. Parfois, adversaire a piétiné nous, c'est vrai. Bayo ride. Mais rete dans pied, bon Dieu. Parce que bon Dieu, il viendra en aide à nos secours. Matin, ou même quand crier matin, quand demander secours, quand chercher délivrance. Bon Dieu, pas livrer aux mains de l'ennemi. Parce que c'est notre force, notre soutien. C'est ressaisir, resserrer entre nous, serrer les rangs. Parce qu'on a pris dans les yeux, mon Dieu. Mon Dieu veut faire également, livrer également pour faire volonté. Rassurez-vous d'avoir de très bonnes relations avec mon Dieu. Soyez bénis, soyez restaurés. Parce que mon Dieu, pas, mon Dieu a une force. Du pape qui te mène, du pape qui te mis en raché, mais on amène. Car sa main n'est pas trop courte pour prendre nous, pour ramener nous, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. C'est la nappe qui tourne. Soyez bénis. Restez avec la paix de Dieu, afin que rayon lumière ça, capable d'éclairer nous dans toute bonne voie. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.